Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire les mises à jour sur un WordPress multisite. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a une étape supplémentaire par rapport à une installation WordPress traditionnelle. Donc, une fois que vous êtes connecté à l'administration de votre WordPress, deux possibilités. Soit vous cliquez sur l'icône de mise à jour ici, soit dans le panneau d'administration du multisite, du réseau en fait, vous cliquez ici sur mise à jour. Donc là vous voyez qu'il y a une mise à jour disponible pour une extension. Donc il vous suffit de cocher là où les mises à jour que vous souhaitez faire. Bon là il n'y en a qu'une, mais il pourrait très bien en avoir plusieurs. Vous cliquez sur le bouton mettre à jour les extensions. Voilà. Donc, éventuellement, il peut y avoir des mises à jour de thèmes, d'extensions, voire même du cœur de WordPress, auquel cas vous devrez retourner aux mises à jour de WordPress. Bon, là, tout est fait, il n'y a pas de souci. Donc, pour un WordPress traditionnel, ça s'arrêterait là. Mais pour un multisite, vous voyez qu'on a un bouton supplémentaire ici, enfin un onglet supplémentaire, mettre à jour le réseau. Ça sert à mettre à jour tous les sites du réseau. Et donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton Mettre à jour le réseau et d'attendre que ça se fasse. Voilà. Bon, comme c'est une installation vierge, forcément, le réseau a été très rapidement mis à jour. Par contre, si vous avez beaucoup de sites, ben, prévoyez quelques minutes quand même, le temps que ça se fasse. Voilà, mais j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.